السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ المستوى الخامس ابتدائي، أهلا بكم في درس آخر من سلسلة دروس ميز أبرونتيساج أون فرونسي. اليوم عندنا درس ديال الجرامير، لو كومبليمون دوبجي ديريكت إي لو كومبليمون دوبجي انديريكت. ألوغ كيما العادة خصنا نتعرفوا على شنو هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. شنو هو هاد كومبليمون دوبجي ديريكت؟ هو واحد لو جروب، يعني واحد المجموعة اللي كيتكون من كتكون منها لا فراز، سواء كتكون مجموعة يعني سواء كتكون يعني في لو جروب فيربال، يعني في مجموعة ديال الفعل، أو لا كتكون مع لو جروب في لو جروب نومينال. الجروب هاد الكومبليمون دوبجي ديريكت كيجاوب، هو الجواب ديال السؤال اللي كاين في الجملة، يعني شكون اللي دار هذيك الحاجة، كيفاش دارها، لمن دارها، و يعني لمن و باياش دارها. هادو اسئله هادو هما الاسئله اللي كيجاوب عليهم الكومبليمون دوبجي ديريكت والكومبليمون دوبجي انديريكت. اذا ما نزيدوش نطولوا عليكم، ندوزوا للامثله. جوبسيرف اي جو ديكوفر لو ميناري دو لا كوتوبيا اتير لي فيزيتور. نوز افون فيزيتي لو بالي دو لا باهيا. Les touristes se souviennent de la mosquée Hassan II. La mosquée Hassan II ressemble à une neuf. Alors, je nous calme là. Observe les groupes verbaux soulignés. La lahtouadou, Kamlin, des groupes verbaux. Ada, groupe verbal, groupe verbal. Ada, le groupe nominal, l'imstralé, le groupe verbal. Groupe nominal, groupe verbal. Souligne les groupes nominaux qui font partie de ces groupes verbaux. Que complètent-ils? Les groupes nominaux, les adnahnaya. Le ménaret, les adnahnou, les touristes, la mosquée Hassan II. Souel, que complètent-ils? Alors, je vais vous dire, surligne les groupes nominaux. Le ménaret, Australia, nous, les touristes ou la mosquée. Que complète-t-il? Donc, il complète l'action de du verbe. Non? L'action du verbe. L'action du verbe. Comment est le complément du verbe de la phrase des phrases A et B? Kifesh huwa le complément de la phrase A et B? La phrase A et B. Attire les visiteurs. Nous avons visité le palais. Comment est le complément du verbe de la phrase R et P? Le complément adna, la phrase A et P. C'est un nom. Le ménaret, adna, c'est un pronom. Dans la phrase C, encadre l'élément qui sépare le complément la mosquée Hassan II. La mosquée Hassan II. Encadre l'élément qui sépare le complément. Comment l'appelle-t-on? Là, le touriste se souvient de là. Adna, de là. De là. Comment appelle-t-on? Chno kansmeo, c'est une préposition. Alors kansmeo, une préposition. Préposition. Qui j'ai obtenu la réponse d'elle?
De qui? De qui? Non. De là. Oh, la réponse est là. De qui? Alors, monsieur, question numéro 5. Peut-on déplacer ou supprimer le groupe nominal placé après le verbe? Wesh, on peut le supprimer? Bien sûr que non, on ne peut pas ni le supprimer, ni le déplacer. Le groupe nominal qui j'ai mort le verbe, mais qui n'est ne li mkinnach nhidou لانه هو اللي كيشرح لينا الناتور ديال الفيرب اولا شنو دار شنو درنا في هذاك لو فيرب. الوغ القاعده كتقول لينا جو روتيان دون ان جروب فيربال اون بو تروفي دو تيب دو كومبليمون. في لو جروب فيربال كنقدروا نلقاو جوج ديال لي كومبليمون، كومبليمون دوبجي ديريكت كي ديريكتومون راتاشي او فيرب اي كي بريسيز لاكسيون دو فيرب. سون رول اي اسونسييل ا لا كومبريونسيون دو لا فراز. ديما كيجينا هذاك الكومبليمون دوبجي ديريكت ديما تيكون مرتبط بالفعل ديريكتوم باش تيحدد لينا يعني طريق يعني هذاك لاكسيون ديال لو فيرب يعني الفعل شنو دار فيه. سون رول اي اسونسييل ا لا كومبريونسيون دو لا فراز. ايل ريبون لا كيستيون كي او كوا. دونك في كومبليمون دوبجي ديريكت كان كنلقاو ديما الجواب ديال كي شكون اللي دارها او لا كوا شنو دار. Par exemple, Jalal mange des dattes. Quoi? Qu'est-ce qu'il a mangé? Ou là, qui a mangé les dattes? C'est Jalal. Jalal mange quoi? Jalal mange des dattes. Le complément d'objet indirect qui est séparé du verbe par une préposition. Complément d'objet direct, indirect, qui conduit ma frog à le verbe, frog à le fait, b, ou à la préposition liée, soit à, par exemple, a dit à, ou là, deux, ou avec. Il répond à l'une des questions suivantes. Yani, ajoubel ki jawbna liha a qui, yani limen, layesh, de qui, yani min mada, ou de min men, aula min mada, de quoi. Exemple, il pense à son ami. Il pense à qui? Il pense à son ami. Ces compléments d'objets sont essentiels au groupe verbal. On ne peut ni les supprimer ni les déplacer. Ce qui est le cas, supprimer les compléments d'objet direct, les qui sont morts après le verbe. Alors, monsieur, 6. Dans les phrases suivantes, souligne chaque complément du verbe et indique sa fonction. Tu vois, complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect. Alors, les fidèles sont accomplis, ont accompli la prière. Que sont, ou là, qui accomplit la prière? Non, attends, le complément d'objet direct. Qui accomplit? Qui, quoi? Attends, la question de quoi? C'est un complément d'objet direct. Les artisans ont édifié la mosquée. Qu'est-ce qu'ils ont là? Les artisans ont édifié quoi? Ada, donc complément d'objet direct. Ada, complément d'objet direct. Ada, tu vois, complément d'objet direct. Tu te souviens de la tournée en calèche? En calèche. Tu te souviens de la journée? Ils se souviennent de quoi? De quoi? Yani. Un complément d'objet indirect. La question de quoi? Nous avons participé à l'exposition sur les monuments. Nous avons participé à quoi? À l'exposition sans. Donc c'est un complément d'objet indirect. D'objet indirect. Marie Curie parle de sa découverte. Marie Curie parle de quoi? C'est un complément d'objet indirect. Souligne le complément d'objet indirect et entoure les prépositions. Je m'approche de la tour Eiffel pour prendre
en photo. La tour Eiffel. La tour Eiffel. La préposition, il y a deux. Deux. Il pense à son prochain voyage. Son prochain voyage. La préposition, il y a A. Le maître artisan parle aux ouvriers. Là, les ouvriers. Là, la préposition, il y a O. Marie Curie discute avec ses collaborateurs. Avec qui? Ses collaborateurs. Avec ses collaborateurs. Alors, recopie seulement les phrases contenant un complément d'objet direct. Les phrases, les films, les compléments d'objet direct. Complément d'objet direct, vous voulez qu'ils obtiennent la question de qui ou quoi? La physicienne française a découvert le radium. Qu'est-ce qu'il a découvert? Quoi? Il a découvert, donc, c'est un complément d'objet direct. C'est-à-dire, il complément d'objet direct. Son mari meurt d'un accident. Il meurt de quoi? Question de quoi? Et que j'ai oublié la question de quoi? Donc, c'est un complément d'objet indirect. Sur la phrase suivante, elle prend la place de son mari. Elle prend la place de qui? De qui? Donc, c'est un complément d'objet indirect. Elle reçoit le prix Nobel en. Et elle reçoit quoi? Elle reçoit le prix. Quoi? Donc, c'est un complément d'objet direct. Elle dit complément d'objet direct. Complète les phrases avec les propositions qui convient de ou la A. Les Français pensent toujours à. Ils pensent à Marie Curie. Pierre Curie permet de. Permet au. Au ses, à. Permet à ses élèves. Marie Curie s'approche de la réussite. Nous profitons bien de cette leçon. Vous êtes habitué à cette façon de travailler. Écris deux phrases avec un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Il y a un, je deux phrases complément d'objet direct. Quelqu'un ce que tu voulais comment, ce que tu veux commentaire. Cameline, que tu voulais commentaire de deux phrases complément d'objet direct ou deux phrases complément d'objet indirect. إلى أن نلتقي في درس آخر إن شاء الله إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.